Pas mauvais ce petit café. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles ici. Ouais, je sais. Ouais, parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie. Il y a Facebook et Instagram. D'ailleurs, si tu veux avoir plus souvent des nouvelles, ça se passe sur ces deux réseaux. On est pas mal ici, hein. Avec un petit café. Alors, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai rien posté ici. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était le 7 avril la dernière fois. Mais en fait, je vais en avoir des choses à dire. Un bon paquet. Mais avant d'entrer dans tout le détail de ce qui s'est passé depuis, il faut que je te dise justement qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive ici. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans la dernière vidéo, Sika, elle n'était pas du tout ici. Depuis la dernière vidéo, les travaux se passaient à peu près à vitesse normale, c'est-à-dire tous les week-ends. Mais les dernières semaines du mois d'avril, ça a été beaucoup plus intense. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déménagement. On devait rendre le logement au 1er mai, et on a rendu le logement au final le 29 avril. Et comme on avait fixé cette date du 1er mai, on ne pouvait pas revenir en arrière. On était obligé de faire bouger Sika au 1er mai de l'emplacement où on était, puisqu'on n'était pas sur la même commune. Ce qu'il faut préciser aussi, et ça c'est super important, c'est qu'à cause des couvre-feux, des confinements à répétition, depuis le début des travaux, on a pris énormément de retard. Normalement, il était prévu qu'au mois de mai, donc au moment où on quitte le logement, Sika était totalement terminée, autonome, et on pouvait partir. Forcément, ça s'est pas trop passé comme prévu. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici, sur le terrain des beaux-parents, qui nous accueillent gentiment, le temps qu'on termine totalement à 100% cette caravane et qu'on la rende à 100% autonome. Donc pour ça, on a été la chercher le 24 avril, ça s'est fait super rapidement, sur un coup de tête quasiment. On a été la chercher et on l'a ramenée ici, dans un endroit, un petit carré de verdure qui est super, on est franchement bien, on a les oiseaux qui chantent en plus. Il faut dire qu'elle n'avait pas bougé de l'emplacement où elle était depuis juillet 2019. Donc ça faisait un moment qu'elle était là-bas. Mais elle était à l'abri. Et très honnêtement, dès le départ, on savait que cette situation d'être hébergé sur un terrain, elle serait que provisoire. Et elle le sera quand même. Mais c'est franchement loin d'être une contrainte d'être ici, parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. On a des poules dans le terrain qui viennent de temps en temps picorer, donc déjà ça nous bouffe tous les insectes. On a quand même droit à un coin de nature super sympa, avec une petite mare, avec des arbres fruitiers, il y a même des petites mésanges qui font leur nid à côté, c'est génial comme petit coin. On a l'eau et l'électricité. Pour le moment on n'a pas de panneau solaire, donc on a l'accès à l'électricité, et pour l'eau on se sert à côté. On essaye d'être au plus économe possible. Je fais des rototo, c'est une horreur. C'est le café ça. Et l'avantage c'est que les gamins ils peuvent voir les grands-parents quand ils veulent. Forcément. Donc comme tu l'as compris, on va rester ici le temps de terminer totalement les travaux. Et justement, parlons-en des travaux. Pour la cabine de douche, on a fait au plus simple. Bon, sauf pour accrocher le rideau. Alors tout simplement, au niveau de la douche, on était obligé de s'adapter, de faire du sur-mesure. Donc hors de question de trouver une tringle à rideau qui coûtait 40-50 balles. On a tout simplement pris un tube en aluminium qui coûte 4,50€ à peu près à Weldom. Et je suis venu le chauffer et je lui ai donné deux petits angles comme ça, deux angles droits. J'ai pris deux petites attaches de tringle à rideau normal que je suis venu fixer en haut. C'est super costaud. Pour le rideau qui est super léger, on va dire qu'à super sa classe, sa race, hein, ça c'est madame qui a choisi. C'est du rideau de créateur. Donc après, chacun ses goûts. Moi j'aimais pas trop, mais bon, au final, il est joli. Bon, il est, en plus d'être joli, il est super bien parce qu'il sèche super vite. Et ça, c'est le top. Parce que on voulait pas avoir un truc qui moisisse, même en séchant au milieu de la cabine de douche, qui fait aussi office de toilette sèche. Donc, pour passer de toilette à douche, c'est très simple. On enlève le caillebotis pour aller regarder la sortie. Donc, l'évacuation, c'est pareil, c'est du sur mesure. C'est un tube en PVC qu'on a chauffé et qu'on lui a donné la forme de l'orifice du bac receveur, puisque une bonde spécifique pour ce receveur, c'est hors de prix. Là, le tube en PVC m'a coûté 3€. Le caillebotis m'a coûté une quinzaine d'euros. C'est le truc le plus cher, je crois, ici. On se met dessus. La pâtie pulvérisateur. Ah, c'est du camping, hein, c'est sûr. Hein. Là, faut filmer là, en fait. Même avec une famille, avec trois enfants, voilà, il suffit juste de pomper. La petite douchette. Alors, c'est clair qu'au niveau pression,
faut pas non plus avoir fait son jardin ou s'être roulé dans la crotte juste avant. Honnêtement, ça fait très bien le taf. Le seul truc qui est chiant, c'est pour jauger l'eau chaude. Ça, avec la bouilloire, ça prend un peu moins de 15 secondes. C'est top. Et l'avantage, c'est que qu'on prenne sa douche ou qu'on fasse un gros popo, on a le lanterneau juste au-dessus. Donc pour la douche, c'est clair, c'est cheap. C'est du camping. Mais honnêtement, à l'utilisation, jusqu'à maintenant, même avec trois enfants, on s'en sort plutôt bien. Parce que aussi, on est dans les beaux jours. À voir dans l'hiver comment ça va donner, surtout s'il n'y a pas un pont thermique au niveau de l'évacuation, ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Toujours dans le cheap et dans le fait maison, j'ai tout simplement pris une planche en OSB. Je suis venu découper ici à la bonne forme pour mettre. Pour adapter au seau en inox qui vient. Alors le seau en inox, ça vient de les copeaux. Donc les copeaux, je mettrai le site en bas là ou dans la description. Et pour éviter de se piquer les fesses avec l'OSB, parce que ça, hein, forcément, voilà, il y a des échardes. Je suis venu mettre du vitrificateur de parquet que j'ai mis sur mon plan de travail. C'est dans Fabuleuse Toilette de quoi? qu'on a pris le seau. Fabuleuse Toilette. Bon Ouais. bah c'est Fabuleuse Toilette. Je Les mettrai copeaux, le c'est le. Les copeaux, c'est l'adaptateur. Voilà. Ok, donc c'est deux choses différentes. Voilà, je l'apprends. Très important, le couvercle Qui va avec le qui va seau. avec le Ouais. seau. Donc Voilà. c'est un 32 litres. Pour une famille, c'est largement suffisant. C'est le plus grand qui est, c'est celui-là. D'accord. Ok, c'est le plus grand. Et par contre, si vous êtes que deux, le modèle en dessous, ça suffira largement. Pour le moment, pour les toilettes, ça pose pas de problème, même pour les enfants. Pourquoi on ne l'a pas posé dans la caisson? Tout simplement pour pouvoir le sortir très rapidement et facilement pour passer du mode WC au mode douche. Parce que forcément, si on faisait un caisson fermé, dans tous les cas, ça n'avait pas d'intérêt puisque les copeaux, on ne pouvait pas les mettre sur le côté. Les copeaux qui sont d'ailleurs ici, dans une petite boîte que j'ai faite sur mesure en contreplaqué peuplier. Parce qu'il en restait. Ah, ça coince un peu, mais au moins ça évite que les gosses ils tirent dessus puis qu'ils en mettent de partout. Donc oui, au départ, mettre dans un caisson, c'était mon idée. Je voulais vraiment faire ça propre et que ça rentre pile poil dedans. Mais c'est vrai qu'après en avoir discuté avec madame, le côté pratique l'a forcément emporté. Le côté poids, surtout, parce qu'on allait être vraiment à la limite si je faisais ça en contreplaqué, même en peuplier. Au niveau du poids, vaut mieux aller au plus léger, au plus simple. Et ça, c'est top. Pour le moment, c'est génial. Sur la partie salon, ça a pas mal avancé aussi. Déjà, la table a été peinte. Et vernis. Et franchement, je suis assez content du résultat. Mais il y a eu aussi quelques petites adaptations. Je vais te montrer ça. Donc on a été obligé de s'adapter parce que la table, quand on était en position haute et qu'on appuyait dessus, il y avait un petit peu de jeu. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, je suis venu fabriquer cette pièce, donc une espèce de rail en bois dans laquelle la table vient se glisser. Et magique, il n'y a plus du tout de jeu. Et ce qui fait que maintenant, on peut s'appuyer dessus, les gosses peuvent jouer ou quoi que ce soit, ça craint moins. C'est surtout parce que au niveau du pied, j'avais un peu peur qu'à force, ils ramassent, voire qu'ils s'arrachent. Pour la position basse, on allait avoir le même problème. Donc là, comme on le voit ici, même si on déplie totalement les banquettes pour faire la position lit, il suffisait qu'on descende un peu avec du poids, le matin qu'on ne fasse pas attention, ça allait appuyer dessus. Tout simplement, j'ai fait deux pieds de récup, toujours pareil, hein, c'est une chaise que j'ai découpée, des pieds de chaise que j'ai découpés pour faire justement des pieds pour le lit, que je viens fixer avec un système tout simple. J'ai la même chose sous la table et je viens mettre ça ici et ici. Et du coup, c'est aussi costaud qu'une bonne table de salon, on peut monter dessus, il n'y a pas de problème. Une fois réglé les problèmes de stabilité de la table, avec ce système-là et les deux pieds en dessous, il a fallu s'attaquer au matelas. Le matelas, on n'a pas été au plus compliqué. On a justement cherché, comme tout le reste, au plus simple. On a pris un matelas tout simple en 140 par 190 qu'on est venu couper en 4. Donc bien sûr, il fallait le couper aux dimensions de nos deux banquettes. Ça nous a apporté un tout petit défaut, c'est-à-dire qu'ici, en fait, eh ben, il nous manque un petit bout. Mais on n'a pas le choix puisque bah, si celui-là sert de dossier à notre banquette, on rajoute le bout là et rentre plus là-bas. Donc on fait un sacrifice. On va y arriver. Mais au final, il y en a un qui dort ici et l'autre qui dort à peu près comme ça. C'est
pas très gênant. En plus, il a de la chance, il a accès au frigo. Et en hiver, il n'a pas froid. Du côté des matelas des enfants, on a fait la même chose. On a coupé juste celui du lit du bas en trois parties. Pour la découpe des matelas, il y en a plein qui m'ont posé la question. Nous, on ne s'est pas pris la tête. On a pris un simple couteau à pain. On est venu couper avec un couteau à pain. Certes, la découpe n'est pas géniale, mais on s'en fout parce que c'est dans des housses. Ça se voit pas. Donc justement, pour les matelas, on a coupé la mousse. On a d'abord enlevé la housse dessus du matelas, la protection autour. Donc là, en fait, on a tout simplement remis la protection par-dessus. Il y a juste quelques points de couture à faire. Et c'est pour adapter ça à la taille du matelas une fois coupé. Et voilà. Donc on a un lit qui fait maintenant 140, un peu moins 135 par 190. Avec juste ce petit bout en moins. Et la taille du frigo, donc à peine la taille du frigo, même pas 40 cm de moins sur 80 en long. C'est pas très gênant et en plus c'est notre lit à nous, donc si nous on s'adapte, c'est beaucoup mieux que nous on s'adapte plutôt que ce soit les gosses. Pour l'électricité, j'ai pas rajouté grand chose depuis la dernière vidéo. Il y a un petit truc que j'ai rajouté et il fallait absolument que je t'en parle. Mais pour ça, avant, il faut fermer nos petits stores occultants. Par la même occasion, je vais te montrer à quel point ils sont occultants. Maintenant qu'on est à peu près dans l'obscurité totale, grâce à nos nouveaux rideaux occultants, j'en parlerai tout à l'heure, je vais pouvoir te montrer ça. Ça claque, hein? Alors pour la petite histoire, merci la lampe qui arrête pas de clignoter. Pour la petite histoire, j'ai toujours été obligé de personnaliser tout ce que j'avais. Tout ce qui m'appartenait, j'étais toujours obligé de faire quelque chose. Alors c'était parfois discutable, certes. Mais pour le coup, j'avais vraiment envie de mettre ma touche personnelle dans cette caravane, puisque quand même, j'ai quand même pas mal bossé dessus. On a tous une autre période de personnalisation. Moi j'ai commencé avec ma Game Boy que j'ai repeinte. Je voulais une Game Boy Color, j'ai jamais pu en avoir une, du coup j'ai pris ma Game Boy toute simple et je l'ai peinte à la gouache. Faites le pas chez vous, hein. J'ai aussi eu ma période où j'ai mis plein de néons sur mes 50 à vitesse, sur mon MBK Nitro pour ceux qui connaissent aussi. Tous ceux qui ont la trentaine sauront. Bref, Sika devait passer par cette étape de personnalisation et ça passe par cette petite bande de LED que j'ai incrustée dans mes cornières ici. Mes petites baguettes d'angle de finition. Je t'en parlerai tout à l'heure de ces baguettes d'angle. L'avantage de cette petite lumière, même si ça fait un peu kitsch, c'est que tu peux choisir ta couleur. Ça, on en trouve de partout, hein, des bandes de LED avec des petites télécommandes, en fonction de ton humeur. Ou alors, quand tu regardes un film d'horreur, ou pour te mettre tout simplement dans l'ambiance. Ça fait un peu techno, hein. Mais par exemple, à Noël, ça peut faire guirlande si t'as pas de sapin dans ta caravane. Et c'est toujours plus cool que ça. On va remettre la lumière. Alors, j'ai complètement oublié de parler d'une chose, c'est justement des rideaux occultants. Donc, pour ces rideaux occultants, tout simplement, on les a pris sur Store Direct. Je mettrai le lien dans la description en dessous. En tout et pour tout, pour les 6 fenêtres, on en a eu pour à peu près 180 euros. Donc, il faut compter 200 euros avec la livraison. Donc, c'est des stores qui sont de très bonne qualité. On peut choisir la couleur, on peut choisir la largeur, mais pas la longueur. Ils font tous 190 de long, donc 1,90 m de long. On peut éventuellement les recouper. Moi, j'ai décidé de les laisser comme ça, puisque c'est jamais si je veux les mettre dans un autre véhicule plus tard. Au moins, j'aurai la longueur que je veux. Donc, ils sont très simples d'installation. Moi, à peu près, pour les 6, j'ai mis à peine 1h30 pour les 6. C'est super simple d'installation. Et honnêtement, ça marche super bien. Concernant la partie 12 volts, j'ai pas encore branché quoi que ce soit. J'ai toujours mon câble qui est à l'intérieur, qui est en attente. Et au final, je vais tout enlever et je vais mettre une petite prise USB ou allume-cigare à l'entrée, sous le compteur électrique. J'avais prévu de mettre des petites prises USB sous les banquettes, mais c'était pas vraiment pratique parce qu'on risquait de les arracher avec les jambes. Donc en fait, maintenant, je me retrouve avec des petites prises comme ça. Soit allume-cigare, soit une USB. Faut que je fasse un choix entre les deux et que je le mette sous le compteur pour alors soit mettre un branchement en allume-cigare, soit une petite prise USB pour le téléphone ou recharger du matériel informatique ou quoi que ce soit. Je verrai bien ce que j'adapte. Alors pour le meuble de cuisine, lui clairement il m'a donné du fil à retordre, pour pas dire autre chose. Ouais, parce que j'ai aussi fait quelques conneries à côté. Et je te préviens, tu risques de te foutre de ma gueule. Alors la première fois que j'ai essayé de mettre de l'eau dans la cuve, j'ai appuyé sur la pompe, il s'est rien passé. Bah parce que j'ai fait le boulet et que j'ai tout simplement mis le clapet anti-retour dans le mauvais sens.
Ouais, bah ça va, c'est pas non plus mon métier. Hein. Après avoir tout remis comme il faut, deuxième essai. Quelques jours plus tard, hein, parce que fallait attendre que la frustration du premier échec descende. J'ai mis 20 litres d'eau dans la cuve, que j'ai vu gentiment se déverser par un tuyau au niveau de la pompe à pied. Alors, j'étais tout seul, j'ai bien galéré, mais dans l'urgence, et aussi pris d'un excès de colère, j'ai tout démonté, j'ai tout balancé dehors, j'ai vidé la cuve entièrement. Après ce deuxième échec, je suis revenu ici, après ma colère passée, comprendre où j'avais fait la connerie. Et en fait, fallait pas chercher bien loin. Donc l'explication, fallait pas chercher bien loin, elle était ici. Mes deux tuyaux ici, mes deux branchements sur ma pompe à pied, ils étaient en 16 et ma sortie ici était en 14. Donc forcément, j'avais beau forcer avec mes deux colliers et serrer comme un âne. Dans tous les cas, ça pinçait le tuyau et ça pissait. Donc là, bien sûr, on a laissé le petit bout de papier ici, mais on peut l'enlever. Hein. C'était juste le premier jour quand on a essayé. On a vu que ça coulait légèrement, qu'il y avait du goutte à goutte, mais c'est vraiment une goutte toutes les 10 minutes. Mais c'était simplement le restant qui était sur la gorge là de la pompe. Il restait un tout petit peu d'eau et c'était après le joint. Donc en fait, derrière le joint, il n'y avait plus rien, c'était étanche, c'est juste le restant d'eau. Maintenant, on peut l'enlever puisque il n'y a plus de risque et le papier est totalement sec. Donc voilà. Ah oui aussi, j'avais monté les tuyaux à l'envers sur la pompe. Donc, c'est-à-dire que j'avais beau appuyer sur la pompe à pied, je n'aspirais pas l'eau de la cuve, je la repoussais, je repoussais de l'air dans la cuve. Ouais, trois conneries en une seule. J'avais prévenu que t'allais te foutre de moi. Hein. Passé toutes ces conneries de montage du système d'eau, j'ai décidé de demander de l'aide et on a trouvé une solution. C'est de changer tous les tuyaux, qui n'étaient pas au bon diamètre, de carrément virer le clapet anti-retour, qui n'a aucune utilité pour ce système-là, et de mettre un robinet entre la cuve et la pompe. Au cas où, si jamais il y a un problème dans le futur, au moins j'ai juste à fermer mon robinet, démonter la cuve, et ça pissera pas de partout. Même si il y a 50 litres dans la cuve, au moins j'aurai pas 50 litres d'eau qui couleront dans la caravane. Donc maintenant qu'on a complètement tout changé, les tuyaux et mis au bon diamètre, les branchements sont terminés, tout est serré, tout est sec, ça fait plusieurs jours qu'on se sert maintenant de l'eau, et maintenant ça fonctionne nickel. Dans la dernière vidéo, j'avais commencé à expliquer que j'allais faire des portes ici, donc je les avais faites dans un premier temps en 5 mm de la même épaisseur que mon habillage du meuble, mais en fait ça n'allait pas au niveau des charnières. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai refaites en 10, je les ai peintes de la même couleur que les murs et que ces portes là, on y reviendra tout à l'heure. Simplement, je ne les ai pas encore posées puisque j'ai eu ce souci de cuve qui se vidait et le système d'eau complet qui me posait problème. Donc j'ai eu ces deux soucis là qui ont fait que j'ai tout démonté entièrement et maintenant j'ai pu tout remonter il y a quelques jours. J'ai pas encore pu me pencher là-dessus, mais ça ne saurait tarder. Je vais mettre mes petites charnières proprement, avec des poignées comme en haut, ici. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'une rallonge de plan de travail. Je l'ai faite. Je suis allé au plus simple. J'ai pas voulu m'embêter avec une charnière ou avec un système de blocage trop sophistiqué. Et je voulais à la fois quelque chose de simple et costaud. Donc j'ai tout simplement posé un tasseau de chaque côté. Donc le tasseau ici, il est vissé dans le renfort que j'ai mis dans la cloison. Tu te rappelles, dans la dernière vidéo, je te parlais des renforts dans les cloisons, c'est super important. Et voilà pourquoi. Parce que du coup, j'ai pu mettre un porte-manteau là-haut, vissé sur un renfort, et j'ai pu mettre mes deux tasseaux pour fixer mon plan de travail. Et j'ai pu refermer enfin ma cloison. Donc ici, on a notre petite planche, un peu le bordel, qui vient fermer le meuble de cuisine ici, avec tout simplement un petit levier. On prend la planche et on la met là. Donc, il faudra juste trouver un système pour le maintenir, on va dire, droit et pas qu'il se balade comme ça. Donc je vais faire de la découpe au niveau des tasseaux. Et l'idéal, ce serait bien d'avoir quelque chose qui s'avance un petit peu, qu'on puisse boire un coup à l'extérieur. Alors pour les meubles de rangement, il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. Donc au final, j'ai utilisé une teinte, un vernis teinte, plutôt que de l'huile de lin, parce que j'ai fait un essai sur un bon contreplaqué et l'huile de lin ne sèche pas, tout simplement. Le bout que j'ai utilisé pour faire le test reste gras tout le temps. Et bon, c'est pas la bonne utilisation, alors je pense que ça doit être moi qui sais pas exactement bien m'en servir. Bref, j'ai choisi du vernis teinte en chêne clair. J'ai utilisé ça à peu près pour tout, sauf pour les cloisons. J'ai pris un truc incolore.
C'est pas excessivement cher, avec un bidon de, je crois, de 18 euros, les petits bidons. Alors je l'ai pas ici, je peux pas le montrer, mais je suis arrivé à faire tous mes meubles hauts de partout avec un bidon de 18 euros. Donc moi je trouve le rendu vraiment top, et pour les portes on a choisi également de changer, et on a repris le même bleu que les murs sur les côtés, donc du bleu pan. Comme j'en parle dans la deuxième vidéo, je crois, sur la peinture. Donc toujours pour optimiser au maximum l'espace. Donc ici, on avait un espace dans la dernière vidéo. Il n'y avait que cette partie-là qui était faite. Donc il y avait un espace entre la partie basse du meuble haut et le haut de la fenêtre. J'ai choisi d'y incorporer une étagère basse, comme on voit ici. D'origine, c'est pas tout à fait fait comme ça. J'ai adapté à ma sauce. Mais je trouve le rendu plutôt bien. Et j'ai fait la même chose du côté des enfants. Comme ça, au moins tout le monde a ses petits rangements. Et c'est vrai qu'on y met pas mal de choses. Donc pour le côté finition, j'ai trouvé une vieille corde en chanvre, je crois, de mémoire, qui vient de Weldom. Toujours pareil. Et que je suis venu mettre tout simplement pour faire mes joints au niveau du plafond et dans les angles. Ça fait un petit peu bateau, un petit peu marin. Ça donne un côté marin. C'était pas voulu, c'était pas du tout fait exprès, mais j'aime bien. Alors comme j'en parlais tout à l'heure avec ma bande LED, ici, j'ai pas eu de soucis sur mes baguettes d'angle. Je les ai mis directement, j'ai mis des petites baguettes. Le problème se posait sur cette partie-là. Je ne savais pas comment mettre ma bande de LED et mes baguettes d'angle. Si je prenais celles-ci, les mêmes que d'origine, j'allais avoir un petit souci pour les incorporer. Donc je vais te montrer ça de plus près. J'ai pris une baguette d'angle tout simplement un tout petit peu plus large que l'autre. Donc ça, c'est du 25 mm. Et là, c'est quasiment du 40. Je l'ai pris plus large pour pouvoir faire ça en fait. À l'intérieur, ici, j'ai mis un carré, un petit carré, un tasseau carré. Bon là, ça se décolle un petit peu. J'ai mis un tasseau carré dedans, à l'intérieur, que je suis venu coller et clouer de l'extérieur. Et en fait, ça tient tout. Et là, dans cette partie-là, je suis venu coller ma bande de LED tout le tour. Toujours côté rangement, j'ai enfin terminé mon meuble à tiroir. Enfin, dans la dernière vidéo, c'était totalement vide. Et je savais toujours pas comment faire. Honnêtement, j'ai fait ça en 2 jours à peu près. Enfin, sur 2 jours, mais pas consécutif. J'ai fait petit à petit. Le système que j'ai trouvé, c'est assez simple. Tout simplement des petites glissières sur roulette qui tiennent 25 kg. Donc on va pas mettre 25 kg dedans. Il y a un petit peu de jeu, mais c'est pas ouf quoi. Ça fait très bien le job. C'est des grands tiroirs qui sont tout en profondeur. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc pour la vaisselle, pour la bouffe, enfin voilà. Donc on a nos 4 tiroirs. Le premier, ça a été le plus compliqué parce qu'il fallait trouver comment faire. Les 3 autres, ça a été tout seul. Donc en gros, j'ai fait ça en 2 jours. Avec du contreplaqué peu plié, toujours, pour aller au plus léger. Et non, mais au niveau du poids, c'est très bien. Donc pareil, je suis venu peindre les façades avec ma teinte utilisée pour les meubles de rangement haut, donc du chêne clair. J'ai pas encore mis mes petites poignées, donc normalement elles sont par ici, je crois. Bon, j'ai pas encore mis mes petites poignées, elles sont encore dans l'emballage. Il faudra que je vienne les mettre ici. C'est les petits détails, c'est pas encore fini totalement. Pour l'instant, au niveau du blocage de la fermeture, j'ai rien mis. Soit je mettais carrément un système de fixation générale pour les 4, ou soit je mettais des petits aimants à l'intérieur pour venir aimanter et bloquer. Donc je me suis dit que pour la vaisselle, si jamais on avait un gros virage ou quoi que ce soit, même avec un aimant, ça allait l'ouvrir. Donc je sais pas, je verrai bien comment je vais faire. Pour l'instant, on ne roule pas. Donc ce sera sur la fin, au niveau des finitions, que je ferai ça. Donc ici, c'est pas encore terminé. Là j'ai un petit bout de scotch pour tenir ma petite porte que j'ai pas terminée. Sur la partie basse, donc on a vu tout à l'heure, ici c'est pour les copeaux des toilettes sèches. Hop. Et là, j'avais une vieille cagette à légumes en fait qui me servait pour mon bois de chauffage, pour le poêle. J'ai décidé de faire une petite boîte, une petite caisse, comme ça. En contreplaqué peuplié, avec un cadre avec des petits tasseaux, les mêmes que pour l'armature au niveau de ma bande de LED. J'ai séparé, donc là, j'ai décidé de séparer le petit bois du gros bois, donc c'est tout dedans. Ça rentre pile poil. Et il y a juste une toute petite place sur le côté pour la hache. C'est de la récup, c'est pareil. Pour la partie haute, ici, j'ai innové. C'était pas prévu au départ. Ça fait un peu de bruit, c'est normal. C'est pas totalement fini. Donc c'est une petite tablette qui va servir à poser le chocolat chaud le matin ou poser le PC pour travailler tranquillement. Donc ça tient bien. J'ai posé le PC déjà tout à l'heure et honnêtement ça tient très très bien. Je pense qu'il y a une petite finition à faire, on l'entend au niveau du bruit. Ça dépasse juste un petit peu, c'est exprès pour pouvoir le prendre facilement. Donc pour toute cette partie, il va manquer juste un gros ponçage au 400 pour faire la finition. Donc ici, ici et ici.
Et après, je vais y appliquer la même teinte, je pense, que le reste. Il va peut-être y avoir une touche de bleu, ou j'en sais rien. On verra bien, selon notre goût, ce qu'on va mettre. Alors ça, c'est pas vraiment une finition, mais je voulais absolument en parler. Donc ce petit ventilateur de poêle est génial. On a pris ça parce qu'on avait besoin de diffuser la chaleur, et pas qu'elle reste à ce niveau-là, qu'elle stagne, et qu'elle vienne stagner surtout en hauteur. Donc on a pris ça pour que la chaleur soit diffusée devant, et si elle est diffusée au reste de la caravane, elle va plus facilement vers les enfants. Donc par exemple, du côté des enfants, avec le ventilateur, on a quand même gagné 4 degrés différence. Donc 4 degrés, c'est pas rien, surtout quand il fait à peu près 10 degrés à l'extérieur et qu'on se retrouve avec du 16 degrés dedans. 16 degrés quand on passe à 20 degrés, c'est génial, c'est le top. 20 degrés, c'est ce qu'on voulait. Et en ce moment, bon là, il y a les beaux jours qui commencent à arriver, mais quand il faisait 10 degrés à l'extérieur le matin, on arrivait à du 16-17 degrés. Le matin de manière homogène, donc c'est vraiment quelque chose qui est top, qu'on conseille, et il n'y a pas besoin d'avoir, alors il y a plusieurs modèles différents de ventilateurs, il y a des modèles avec 4 pales, d'autres avec 6 pales, d'autres même carrément avec 8 pales, le modèle de pales il suffit largement, c'est même les moins chers, donc celui-là vaut 35 €, on en a vu des modèles qui sont compatibles avec ce poêle là qui vient du Canada. Le modèle aussi qui est vendu avec vient du Canada, donc il vaut 70 €. Au final, il n'y a pas besoin de mettre 70 € plus les frais de douane, plus les frais d'expédition. Pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas besoin d'alimentation. Il fonctionne tout simplement à la chaleur dès que c'est vendu avec. Ce petit aimant, il fait thermomètre. Donc dès qu'il arrive dans cette zone-là, c'est sa plage de meilleure utilisation. Dès qu'il dépasse les 250 degrés, ça commence à être pas bon. Avec ce poêle-là, on dépasse rarement... je suis déjà arrivé à 240 degrés, mais je suis pas allé au-delà parce qu'à partir de 240 degrés sur le poêle, il fait presque 32 degrés à l'intérieur, donc ça sert à rien. Donc il se met en route à partir de 70 degrés. Donc dès qu'il fait 70 degrés sur la paroi, il se met en route, il diffuse la chaleur automatiquement. Ça marche vraiment nickel, je le conseille. Ce n'est pas un placement de produit, mais vraiment je le conseille pour ceux qui ont un petit espace ou même un gros espace qui ont besoin de diffuser leur chaleur. Et si vous avez un petit peu de place sur votre poêle, faut pas hésiter. Nous, on a vraiment un tout petit peu de place. Il passe pile poil ici. Je pense que dans l'avenir, je vais peut-être retirer cette petite barrière. Donc pour les finitions extérieures, on va passer forcément à l'extérieur. Je vais te montrer tout ça. Pour les finitions extérieures, on a commencé en tout premier, en posant Sika sur le terrain, par les joints. Ces joints-là, là, que tu vois ici, de partout, tout le tour des ouvertures, des fenêtres, des portes. Ça nous a coûté à peu près 80 € avec l'expédition et ça vient finir à 100% l'étanchéité. C'était super important, surtout avec les jours de qu'on a eu dernièrement. Et ça m'a pris à peu près une bonne grosse journée pour le poser. C'est un peu merdique, mais ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qu'il faut que tu changes régulièrement si tu as une caravane comme la mienne qui date de 79. Il faut changer le joint à peu près tous les 2-3 ans si ta caravane elle est exposée aux intempéries et aux UV. Si ta caravane tu la mets en hivernage, il faut les surveiller, mais là nous en l'occurrence ils n'avaient jamais été changés, ils étaient complètement cuits, on les a retirés, même ceux qui restaient qui étaient encore à peu près bons, on les a quand même retirés, on a tout changé et voilà. Donc autre petite surprise qu'on a eue au niveau des finitions aussi, c'est qu'ici il y avait une petite infiltration. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas emmerdé, j'ai tout refermé avec une grosse tôle en alu, j'ai trouvé de la tôle alu peinte en blanc, vraiment un gros coup de chance à la déchetterie. Et ça a fait pile poil la longueur, je l'ai coupé en deux pour pouvoir la poser facilement. Et je l'ai posé ici au Sika, j'ai rifté et par-dessus les rivets j'ai remis du Sika. Donc l'étanchéité 100% refaite à ce niveau-là, il n'y a plus aucun risque. Pour les prochains travaux, ça va être le coffre sur le timon. Donc avec le branchement du gaz, donc avec une conduite qui va passer dans le meuble et qui va traverser au niveau du plancher. Une conduite en recuit va suivre jusqu'au coffre à l'avant pour avoir la bouteille de gaz en extérieur. Et aussi le remplacement de la tête d'attelage qui est complètement cuite, qui est d'époque, qui a 40 ans, et qu'il faut entièrement changer. Le système de freinage et tout ça n'est plus bon, il est complètement HS, il faudra tout le refaire. Donc les têtes complètes ça existe, il y en a un peu partout, donc on va voir ce qu'on va mettre. Pour le coffre, c'est un Big Fic qu'on va choisir. Donc j'en ai parlé dans les stories sur Instagram, notamment, là où je publie tous les jours d'ailleurs, si tu veux avoir des nouvelles plus régulièrement. Je publie tous les jours les petites péripéties, les aventures qui nous arrivent sur les travaux de cette magnifique caravane. Il y a une gamme de coffres qui sont 100% étanches, donc c'est vraiment le top. Nous, on a déjà choisi notre modèle, il suffit juste d'attendre la paye pour pouvoir l'acheter. Donc toujours sur l'avant de la caravane, une fois qu'on aura changé la tête d'attelage, on va passer un coup de peinture anti-rouille sur toutes les parties du châssis qui sont exposées, même sur le dessous.
Et en parlant du dessous, on va certainement, d'ici la fin de l'été, donc septembre, octobre, penser à surisoler le plancher par le dessous, puisqu'on s'est rendu compte quand même que l'arrivée du froid, elle vient pas tant des murs ni du plafond, qui sont quand même bien isolés. Et en plus, j'ai rajouté sur certaines parties, là où j'ai tout refait, j'ai rajouté de l'isolation, et notamment sur le plafond, qui est bien bien isolé, puisque je l'ai refait moi. Le seul endroit où il y a le froid qui arrive, c'est par en dessous. Donc pour le moment, on a mis des jupes sur les côtés. Et ces jupes-là, pour l'instant, font vraiment office de coupe froid, de coupe vent. Mais voilà, le froid remonte quand même un peu du sol. Je pense qu'à la longue, il faudra surisoler le plancher. Donc il est maintenant temps de se quitter. N'oublie pas que tu peux aussi t'abonner sur Instagram et nous suivre sur Facebook. J'y mets régulièrement toutes les avancées, les photos avec plus de détails de tout ce que je fais. Faut pas hésiter vraiment à venir me mettre soit des commentaires ou soit venir me parler en message, que ce soit pour partager ton expérience de rénovation de caravane ou aussi pour me donner quelques conseils, parce que grâce à certains commentaires et certains messages, j'ai pu éviter de faire des conneries. Et je tenais particulièrement à remercier tous ces gens-là qui viennent me contacter, qui viennent me demander des conseils ou tout simplement m'en donner aussi. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a de plus en plus de monde qui me contacte et qui ont le même projet de rénovation de caravane, ancienne ou pas ancienne. Il est maintenant temps de se quitter, cette vidéo prend fin. Je tenais particulièrement à remercier tous ceux et toutes celles qui m'écrivent sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Ça fait vraiment plaisir et je réponds toujours volontiers. Alors c'est moi qui réponds parce que Olivia, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, même si certaines choses qu'elle peut, elle, amener, notamment pour tout ce qui est décoration, les sites qu'elle a choisis, par exemple pour les stores. Moi, je m'en suis pas trop chargé, je me charge du côté un peu technique quand c'est du bricolage. Elle se charge beaucoup de la déco, du choix de la couleur, des choses que moi, je ne maîtrise pas du tout. Donc il est temps de vous quitter, de remercier tout le monde, tous ceux qui interagissent avec nous sur les réseaux. Ça fait vraiment plaisir, il y a des encouragements. On a le chat qui vient manger. Mais en fait, il vient que pour manger, on ne le voit jamais. Il dort pas avec nous, il vit pas avec nous, il vient juste pour la graille, quoi. Dis bonjour aux abonnés. Allez, va manger. Allez, c'est plein de poils. Donc il est temps de se quitter. Cette vidéo est terminée. Donc là, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Donc je me rattrape avec celle-ci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va y répondre volontiers. Il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao !